Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 212, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Alors, souvenez-vous de l'épisode précédent, grâce à la case que nous avons fait dans le mode aventure, nous avons débloqué dans l'illustration de personnage Lana, dans lequel on avait pu apercevoir tout simplement sa petite outfit, son petit costume standard, hein, tout simplement. Ses armes, donc le grimoire de l'esprit, le grimoire du sceau, hein, je vous mets, voilà, regardez, tac, grimoire du sceau. Tac, voilà. Et ensuite, le grand arbre, le dragon Mojo, qu'on avait pu également apercevoir la fois dernière. Donc du coup, il nous manquait deux personnages en illustration à débloquer, des personnages que nous avons, parce que je vous rappelle, on a 23 personnages sur 29, donc du coup, logiquement, on débloquera que ceux que nous avons débloqués à l'heure actuelle. Donc du coup, il nous en manque deux autres à débloquer. Il nous manque Sia et Linkle. Donc peut-être aujourd'hui, on débloquera le reste, en tout cas, une des deux. Et donc du coup aujourd'hui on va s'attaquer, souvenez-vous, à l'épisode, enfin dans l'épisode précédent on avait fait cette case là avec Linkle, dans lequel on avait récupéré son réceptacle de cœur, il fallait éliminer tous les monstres géants, on avait réussi, hein, on avait réussi avec brio. Et donc du coup on avait débloqué cette case dans lequel il y avait en exploration requise un costume que nous allons débloquer. Donc on va aller mettre l'hydrobombe sur le petit rocher dans l'eau. Voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Et du coup, on a débloqué le costume, évidemment. Victoire standard. Le but, quand même, c'est d'avoir le rang A. Donc, soit je le fais en deux parties, ou soit si j'arrive à tout faire en la première partie, ça sera bien. Parce que en plus, il y a un réceptacle de cœur et un fragment de cœur à récupérer avec 20 taux. Donc, du coup, ben voilà. Guerrier des ténèbres demandé de niveau 1, donc c'est assez faible. Alors, on est au cas où. Avec nous dans notre équipe, on aura Midna. Donc Linkle, c'est nous-mêmes, c'est les personnages que nous avons mis, mais ça sera Zanto. Macaon, donc Hageta pour les intimes, et des Captains d'Hyrule, tout simplement. Et les gardes d'Hyrule, tout simplement. Et en face de nous, nous allons devoir affronter Zanto, un ennemi juré de cette bataille. Impa, Shake et Desaigraphos. Salmandil. Voilà, des Salmandil plutôt. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, dans le palais du crépuscule, j'avais bien deviné. On va aller prendre Zanto et matériaux rares plus, tout simplement. Et c'est parti. Alors par contre, guerrier de ténèbres demandé, donc du coup ça va m'aider. Ilo, tu es à moi. Ah, le but du mode aventure, le mode aventure de mode très riche dans lequel vous pouvez obtenir des réceptacles de cœur, mon dieu. Ah oui, ça, évidemment, hein, je vous expliquerai également, je vous dirai comment gérer le mode aventure et tout ça, enfin, vraiment, des choses assez simples, hein, tout simplement. Pour le mode tutoriel, mais on n'y est pas encore, hein, dans le mode, son mode tutoriel pour le moment. Et donc, du coup, on peut voir dans le champ de bataille, alors nous avons bien Midna et Macaon avec nous, et des Captains d'Hyrule, et nous avons pris Xanto, alors nous avons des Captains d'Hyrule, ok. Et en face de nous, nous avons Ganondorf, d'accord, je pensais pas, parce qu'il y avait Xanto en confrontation. Alors peut-être on aura Zant qui va popper plus tard, mais parce qu'il n'y a pas de Zant pour le moment. Shake et Impa. Shake est ici, on va pouvoir l'affronter en premier. Et Impa, elle est ici. Sachant que Impa, je pense qu'elle va prendre un des forts bleus, donc il faudra aller direct derrière. Des Salamandiles, plusieurs Salamandiles, d'accord, beaucoup de Salamandiles. Et dans lequel il y a deux trésors, donc c'est toujours à sa diagonale, à partir du bas, tout simplement. Et ici. Donc ok, donc là on va aller, il y a aussi un trésor. Bah du coup les amis, c'est parti. Ah, hein, c'est parti. Hop, le chef de poste. Hop. Hop. Attention. Attention, pas trop. Parce que si on le fait trop, il va s'épuiser, ce connard. Bim, merci. Le petit coffre qui fait plaisir. Non, c'est bon. Ah, alors c'est Impa, c'est ça? Non, c'est Shake, d'accord, qui est venue à nous directement. On n'est pas été la chercher. C'est elle-même qui est venue d'elle-même, donc du coup, voilà. Guerrier du clan Shake, Shake. Bon, ben, on va l'affronter, hein, comme ça sera fait. Je sais pas où elle est là, d'accord. Attention, aïe. C'est vrai qu'il faut ajuster. Attention, boum.
Hop. Boum. Boum, boum, boum. Et du coup, ça serait bien qu'on arrive à la terminer. Bien. Hop. Merci. Ok. Vous n'avez pas réussi à escorter. Oui, mais de toute façon, on n'a pas le temps là. On n'a clairement pas le temps. Allez, go. Go, go, go. Vite, vite, vite. On va devoir vite. Ok. Esprit du crypte Hyrule. C'est pas. Merci. Merci. Ça va être assez compliqué, hein, cette histoire. Allez, vite, vite, vite. On prend le chef de poste. Prendre le chef de poste ici aussi. On va les laisser se démerder parce que là, il faut qu'on accélère. Il y a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Alors, c'est bien. On avance en termes d'XP. Alors, par contre, on est au niveau 28. Donc, on n'est pas non plus masse avancée. J'aurais dû le monter niveau 30. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Tac, 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 tac. Attention. Attention, pas trop. Merci. Attention, top, 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 baby. Trop, c'est trop après. Attention, mon gars. Merci, ça c'est fait. Hop, hop. Attention. Allez, le salmandil est éliminé. Allez, go. Chef de poste. Là, il faut pas traîner. Impa. Ok. Aïe, 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 aïe. Impa. Boum. Par contre, c'est étrange, c'est qu'on n'a pas eu la cutscene avec Impa pour l'annoncer. Dans le niveau supérieur, j'aime beaucoup. On va gagner un brin de puissance. Aïe, je me suis trompé de bouton pour activer son méga truc. Ok. Ok. Allez, 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 allez. Vite, on doit accélérer le mouvement parce que... On a combien? 4 minutes? Ah oui, quand même, ça craint. Ça craint, ça craint. Vite, on va devoir vite accélérer le mouvement parce que ça peut faire mal. On gagne en dehors, sachant qu'en plus on a gagné en dehors pour affronter. Bon, c'est bien, on va peut-être pouvoir obtenir son gantelet. Ou pire, voire peut-être un truc mieux. C'est bien parce que une 200, il nous en faut, les Ganondorf. Hein. Ganon et Ganondorf, bon, ça serait bien. Vous imaginez qu'il sera vraiment Ganon après? Ça serait bien, hein. J'aimerais bien. Hein. Attention. Attention. Ah! Hop! Ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc logiquement, c'est soit le réceptacle de cœur ou soit le fragment de cœur. Ici. Parce qu'en haut, c'était le coffre en bois. Et donc il nous en manque deux. De coffres à avoir. Du coup, c'est quoi? C'est le fragment de cœur. Vous avez obtenu un fragment de cœur en 104 pour augmenter votre énergie vitale d'un cœur. Bien. Allez, on reste concentré. J'aimerais bien, honnêtement, Midna ne doit pas fuir.
Attention, 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 attention. 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 Merde. T'es sérieux là? D'accord. Donc on peut déjà d'ores et déjà affronter Ganondorf. Tout simplement. Alors, on est à 5 minutes. On va se dire qu'on va s'attendre quand on est à... À combien à votre avis? 10 peut-être? 5 minutes pour battre Ganondorf, c'est raisonnable. En fait, j'ai peur qu'il soit malheureusement un peu trop surbalèze. Donc voilà. Mais de toute façon, il nous manque le réceptacle de cœur qui est là normalement. Hop, oui. Et du coup, il est là. C'est parfait. C'est parfait. On reste concentré. Merci. Voilà. Et du coup, le réceptacle de cœur. Les amis. Il est là. Et il est avec nous. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Yes. J'aime beaucoup. Allez hop maintenant. Attention. D'accord. Sachant qu'on est bientôt niveau 30, hein. J'aime beaucoup. Oh putain, par contre les armes, ça commence à me péter les couilles. Je vous le dis clairement, mais ça commence à me... sérieusement à me péter les couilles les armes. Ok. Oui, on a envoyé des raids. Et parce que là, il faut, hein, il faut envoyer des raids, les gens. Sauver un petit peu l'immeuble. L'immeuble. Attention, 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 attention. Mais non. Pas une de plus. Voilà, c'est bon. On a arrêté. On a eu le contrôle. Bon. Allez, go. Ah, ils ont envoyé des raids encore. Merci, le chef de poste. Non, attention, attention, mais non, fais pas ça. Parce que tu peux pas le faire pour le moment. Bah oui, je suis full, je vous le truc. Parce que je suis du palais, y a pas de soucis, on arrive. On arrive. C'est là où la statue d'Ibou nous aurait vraiment servi. Bah par contre, là, ils sont un peu trop nombreux. Hein. On sera bientôt niveau 30. Et niveau 30, bah voilà, parfait. Fallait demander. Fallait demander. Hop. On a combien? 7 minutes, ça va, tranquille. Attention, attention. Pas le répéter plusieurs fois parce que sinon, vu la barre est full là. Merci. Pourquoi pas prendre ce fort là? En termes de champ de bataille. Ganondorf, Salmandil, bah Salmandil est bientôt éliminé. Et Captain Dirul, nous avons que deux. Et lui va s'occuper du Salmandil. Bah c'est parfait. Bah c'est nickel. On aura géré ce champ de bataille. Les amis, j'aime beaucoup. On l'aura très bien géré. Donc du coup, bah là, après avoir fait ça, on prend le chef de poste et après on va directement affronter le. On va directement affronter bah, le Ganondorf, tout simplement. Par contre, je vais juste m'occuper des ennemis en bas à droite qui prennent le chef de poste parce que ils sont un peu trop nombreux. Je pense que c'est les chefs de raid encore, comme d'habitude. Merci. Merci pour le niveau. Merci pour le matériau. Alors, on va vite s'occuper d'eux. Alors, par contre, je veux pas passer par lui. Pour le moment, je veux pas l'activer. Le petit arme. Là, le capteur. Bon, logiquement, il devrait pas être logiquement en difficulté bientôt parce que. Voilà, KO, parfait, c'est ce que je voulais. Limite on le voyait pas. Limite on dirait qu'il avait apparu devant mes yeux, comme ça. Ouh là là, j'étais un petit peu choqué. Bon du coup, c'est parti. On va éliminer Ganondorf, tout simplement. On va défoncer Ganondorf. Et même on va pouvoir obtenir son petit matériau. Logiquement. Et après le costume. Et du coup, il rendra bien sûr. Roi démo, Ganondorf. Allez, go. Attention. Allez, pam, 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 pam. Ah oui, là, il est pile au milieu. Il va prendre tellement cher, voilà. J'aime beaucoup ça. Toi, tu meurs aussi.
On a combien? 9 minutes, ça va, 9 minutes. On a le temps, on a le temps. Là, on peut même se faire plaisir. À part si il invoque des monstres géants, vous imaginez qu'il se transforme en Ganon. Je vous avoue que je l'aurai mauvaise parce que je n'aurai pas le temps, du coup. Hop. Allez, boum, 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 boum. Voilà. Voilà. Attention. Slash. C'était magnifique. C'était d'une beauté. Et voilà. Pourquoi pas le terminer comme ça? Pourquoi pas, hein, j'aime beaucoup. Ah, oh, dommage. Ah, oh, si, je l'ai vu quand même. Hop, allez. Logiquement, il est mort, là. Logiquement. Ah, ils ont pris juste le chef de poste en haut, c'est mignon. Magnifique, et nous l'avons eu. Et matériaux rares, d'accord. Bon, c'est bien quand même. Parce qu'on a besoin des gantelets de Ganondorf, de toute façon. Bon. Et ben voilà, et nous avons du coup notre coffre, évidemment, avec notre costume, qu'on va pouvoir voir quand il ressemble. Ah là là, avec Dante, yeah. Je suis content, je suis très content. Et du coup, le costume. Mon dieu, vous avez obtenu un costume. Vous avez hâte de savoir duquel il s'agit, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Bon, bah ça a été très facile. Je pensais que ça allait être un petit peu plus dur que ça. Je vous avoue que là, ça a été tranquille. Ça a été assez tranquille. On a pas souffert. Donc, ouais. Ok, bien, parfait. Et du coup, nous avons obtenu 5 armes. Sabre de l'usurpateur, 104 de dégâts, matériau rare plus. Gantelet d'argent, 96 de dégâts, 2000 ennemis requis. Bague bleue, 96 de dégâts, attaque forte 2. Sabre de l'usurpateur, 88 de dégâts, slot vide. Voile rapide, 150 de dégâts, attaque forte 2. Remplacement plus et slot vide. Pour une turban de Shake, un gantelet de Ganondorf, un lien pour cheveux d'Impa, 3 cures de Salmandine et ainsi 29 rayons de monstres. Ganondorf a reçu un nouveau costume, The Wind Waker. Alors là, ça va être badass. Ça va être badass. Et du coup, on a débloqué ce côté, donc du coup, on ira y faire ici, enfin, on ira faire ça la fois prochaine. Il y a un fragment de cœur à récupérer avec Agita, Macaon, éliminer 600 ennemis dans le temps est parti. Il n'y a pas de souci. On va y arriver très facilement. Bon, du coup, on va aller voir ce fameux petit costume avant. On va aller vous vendre les armes parce qu'il y a 5 trucs à vendre. Ferrailleur, gantelet. Déjà, il y a un gantelet à vendre avec lui. 2000 ennemis requis, on enlève. Toi, Impa, on s'en fout. Toi, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. S'en fout. Toi, je m'en fous pas parce qu'il y a deux trucs à vendre avec toi. 88, on enlève. Et 120, 104. Oh, Mathéo rare plus. Ben, on enlève 104 alors. Et on garde 120, bien sûr. Comme d'habitude. Ensuite, donc ça fait 3 armes que nous avons vendues. Ensuite, il y a une bague bleue. Attaque fort 2. Mathéo rare plus. Attaque fort 2, on enlève. Et du coup, il y a la voile rapide, la dernière, qui est logiquement... Ah putain, voilà, là, voilà, je vais réussir. Alors, 150. D'accord, c'est de la merde, bien. Bien, parfait. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu à la badgerie, un petit peu. Alors, on peut rien faire. On peut vraiment rien faire. Ah, j'allais dire, avec Link... Enfant, pardon, j'ai eu du mal. Avec Link Enfant, B d'endurance 2 facilite la diminution de la jauge de points faibles. Ça requiert un gantelet de Ganondorf sur 1, un acide de Goma sur 1 et 3 crocs de Dinafos sur 123 et 1000 rubis. B d'endurance 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Yeah. La badge B d'endurance 2 a été créée. Putain, joyeux de Ganondorf, c'est pas maintenant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre ou pas, à votre avis? Le turban de Shake, on peut rien faire avec le turban de Shake encore. Putain, chier. Ouais, à mon avis, là, mon dieu, c'est la mort. Hein. Ouais, c'est la mort. Hein. Bon. Bon, bah, du coup, on va aller voir le fameux costume avec Ganondorf, tout simplement. Galerie. Personnage.
Et regardez, costume. Et The Wind Waker. Oh oui, il est magnifique. Il est magnifique. Tout simplement, il faudra l'utiliser. Il est sublime, ce costume. Il est magnifique. Il n'y a pas à dire. Il est magnifique. Alors par contre, les amis, j'ai une petite recommandation à vous faire. Enfin, petite question, proposition. Pour étendre encore plus le let's play, est-ce que ça vous dirait que nous retentons, enfin que nous tentons de faire chacun, alors d'abord on les fait tous avec les rangs A, tout, quand on aura fait avec les 29 personnages les défis des standards ici, ça vous dirait qu'on les répète avec par exemple épée à une main, baguette, gants, etc, etc. En gros, par exemple, on répète avec... alors, ça, non, bien sûr que non. Mais pourquoi pas le répéter avec le plus haut... Enfin, le avec une épée et une main. Après, avec une baguette. Après, avec un gant. En fait, avec tout, avec chacune des armes. Alors, par contre, il y aura des personnages où, malheureusement, comme... comme Link... Non, pas Linkle. Ouais, comme Tingle, où il n'y a malheureusement qu'une arme dispo. Donc, ce sera qu'avec une arme. Mais, par contre, pourquoi pas, pour éteindre le let's play davantage, le refaire... chacun des trucs avec du coup une nouvelle arme, par exemple avec la baguette, avec l'épée à une main ou avec Impa, hein, tout simplement. Pourquoi pas retenter aussi avec avec Linkle, avec son deuxième arme qu'on débloquera, j'imagine, plus tard dans le jeu. Pourquoi pas, hein, honnêtement, dites-vous, proposez-moi ça si vous voulez. Du coup, ça permettra d'étendre encore plus le let's play, tout simplement. Hein, donc. La durée de vie du let's play. Donc c'est à vous de choisir, mais moi honnêtement je suis très pour. Honnêtement je suis très pour. Comme ça moi, alors d'abord évidemment on fait tous les rangs A, hein, bien sûr c'est logique. Et après on s'attaquera quand on aura fait tout dans le tout le machin truc. Enfin tout dans le mode aventure, tout dans le mode défi pardon. On fera du coup avec les armes tout simplement. En espérant du coup que cela vous plaise tout simplement. Et donc du coup la prochaine fois comme je vous ai dit on fera ici. Et en plus, ça permettra de débloquer du coup la dernière bataille. Enfin, la dernière bataille avant enfin, la dernière bataille qui nous permettra de récupérer un personnage de plus, Twilight Midna, que je me languis. Dans le cas, c'est vraiment blindé parce qu'il y a un réceptacle de cœur avec Midna. J'imagine un fragment de cœur avec elle. Donc peut-être elle sera jouable dedans, ça serait bien. Une fée à réviver et une nourriture de fée à récupérer. Donc du coup voilà, bon les nourritures de fées c'est pas important, c'est important mais je veux dire c'est pas full important dans le sens où les nourritures de fées ça repop. Alors que les fées et tout ça ça repop pas tout simplement. Et donc du coup voilà c'est ce qu'on fera du coup la fois prochaine logiquement ici. Dans lequel il faudra éliminer 600 ennemis dans le temps imparti avec Macaon, avec Ageita. Dans lequel il y a un fragment de cœur à récupérer, enfin un quart de cœur. Je me demande si avec avec Ageita, on a... Non, on n'en a pas. D'accord. Et c'est dans le palais de Crépuscule, en plus, on a bien vu. Bon, du coup, voilà. Et puis, comme ça nous fait progresser davantage, hein, les amis. Du coup, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Et, les amis, on est à 32%. Donc, ça veut dire qu'on a progressé de 3% au total dans cette carte aventure. Plus de 2 là. On va pas les compter, les 2 là. Hein. On compte plus la carte à explorer, tout simplement. Donc, du coup, on a avancé de 2%. De 3% au total. J'aimerais bien au moins avancer au moins d'une 15aine de %, je préfère vous le dire, mais bon, ça m'étonnerait qu'on y arrive, hein, je vous le dis clairement. Mais au moins une 10aine de %, ce serait bien. Avant de faire la petite session défi, hein, mode défi, et également de faire la petite. Enfin, la session, la grande session, mode légende, tout simplement. Bon, du coup, ouais, ça serait sympathique. Ça serait très sympathique, mais bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, du coup, qu'on va pouvoir s'arrêter là. Tout simplement, on a bien avancé et je suis très fier de moi. Et j'espère qu'en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi, je passe vraiment un temps... Enfin, bon, j'adore ce jeu, j'adore, je kiffe. Et du coup, on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 213, logiquement, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey. Peace.